Bonjour, merci d'être là tous, merci d'être de nouveau à ce forum si important d'année en année plus encore et cette année particulièrement. Comme vous savez, nous avons le privilège de recueillir ici les avis, les conseils, les idées de gens qui viennent du monde entier, pas autant qu'on le voudrait cette année, pour réfléchir à ce que c'est que de travailler dans l'intérêt des générations futures. C'est ça l'économie positive, c'est travailler dans l'intérêt des générations futures. Et nous le faisons ici en particulier à propos de ceux qui le font dans les territoires, c'est-à-dire dans les villes, les départements, les régions, les provinces, au plus près des citoyens. C'est particulièrement important aujourd'hui puisque dans la situation que nous vivons, on prend particulièrement conscience du fait que c'est important de travailler pour les générations futures puisque si on l'avait fait il y a 20 ans, on aurait écouté ceux qui disaient qu'un tel... Une telle pandémie était possible, on s'y serait mieux préparé, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui, comme l'ont montré les pays comme la Corée du Sud qui se sont préparés à cette situation beaucoup, beaucoup mieux que nous et qui n'attendent pas le dernier moment pour prendre des mesures plus ou moins efficaces. Nous allons pendant ces deux jours étudier, écouter, pas seulement des sujets liés à la pandémie, bien sûr, pas seulement des sujets liés à l'écologie, bien sûr, tous les sujets qui concernent les enjeux du XXIe siècle. Ceux d'entre vous qui sont là et qui sont parmi les plus jeunes, vous aurez mon âge en 2070 ou 2080. Donc tout ce qu'on dira ici vous concerne, même si ça veut vous paraître très loin. Vous aurez à vivre tout cela, vous aurez à agir dans tout cela, vous aurez à faire en sorte que le monde soit le plus vivable possible. Il le fut particulièrement pour ma génération qui a traversé cette époque sans catastrophe extrême. Il ne le fut pas pour les générations avant la mienne qui ont traversé une crise mondiale, une grande pandémie, une crise financière majeure, puis une deuxième crise guerre mondiale. Donc, chaque génération a son lot de chance et de malchance. Ce forum est une occasion d'y réfléchir, de prendre sur soi, de définir ce qu'on peut faire soi-même. Je voudrais que chacun d'entre vous qui êtes là, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en ligne, se disent à chaque instant qu'est-ce que je peux faire moi, pour moi-même et pour les autres pour que le monde soit meilleur dans 10 ans, dans 20 ans. Et ce qui sera fait pour que le monde soit meilleur dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est ce qui sera fait d'utile pour aujourd'hui. Car aujourd'hui commence demain, ou plutôt aussi autrement dit, demain commence aujourd'hui. Je vous remercie.